Bonjour, on est lundi, il est 6h20, je suis réveillée depuis 1h. J'ai passé une nuit, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait hier, la petite, elle pleurait donc je l'ai pris avec moi. On s'est endormies toutes les deux dans le lit et je l'ai gardée toute la nuit parce qu'elle était pas top. Là je l'ai remis dans son lit. J'ai la caméra sur le... Voilà, vous venez de l'entendre. J'ai la caméra sur le portable. Parce que... elle avait besoin que je sois là, quoi. Et en fait, comme je me suis couchée super tôt, et ben à 5h, j'étais au taquet, quoi. Donc, en gros, je me suis levée. J'ai sorti les pains au chocolat pour faire le petit déj avec Doudou tout à l'heure. N'importe quoi. Mais j'ai fait la gamelle de... Enfin, la boîte pour le repas de Cali chez la nounou. Et voilà. Malheureusement, je peux pas la garder aujourd'hui parce que j'ai deux rendez-vous et il faut absolument que j'y aille. C'est mes derniers rendez-vous. Enfin, c'est les rendez-vous de demi-mois pour la grossesse et j'ai pas le choix et je vais pas m'amuser à amener Cali. Donc, je vais la laisser chez la nounou et puis je dirai à la nounou que s'il y a moins de soucis, soit qu'elle appelle Doudou, soit qu'elle m'appelle moi. Et puis voilà, mais j'ai pas bien le choix là. Je suis très essoufflée. Et ah oui, sinon, accessoirement, j'avais la petite dans les bras, j'avais des contractions cette nuit. Alors, pas des douloureuses et elles n'étaient pas très longues, elles étaient assez courtes. Mais par contre, j'ai bien douillé. Alors, est-ce que j'ai un petit peu trop abusé hier? Je sais pas trop. Bah non, parce qu'on n'a rien fait de... On n'a rien fait d'exceptionnel hier, en fait. Mais bon, voilà. Bon, sinon, je me suis fait un petit thé. Je suis au taquet, là. Bon, alors, je vous dis pas que je ferai pas une sieste après-midi parce que, vu à l'heure où je me suis levée, voilà. Mais écoutez, j'ai bien dormi malgré tout. Donc, voilà. Là, Doudou, il va se lever d'ici... Ben, il va pas tarder. D'ici 20 minutes, à peu près. Et puis, je vais aller faire les pains au chocolat. Et voilà. Voilà, voilà. Mais franchement, je suis pas fatiguée. Donc... Et là, j'étais devant l'ordinateur en train de vérifier que ma vidéo soit bien en ligne à 7h30. Parce qu'étant donné qu'hier, je suis allée me coucher un petit peu rapidement et bah, j'ai pas eu le temps de tout vérifier. Mais si, c'était tout bon en fait. Enfin bref, bon allez, on va mettre les pains au chocolat dans le four. Bonjour. Il mange un petit pain au chocolat. Je vais aller préparer la petite parce que ça va être l'heure. J'ai vidé le lave-vaisselle. Doudou, elle a dû me prendre pour une malade. J'ai vidé le lave-vaisselle et en fait, on a un grand tiroir avec tous les couverts. Et il y avait un bordel monstre. Ça sent un bon après ? Non, malheureusement, j'ai pas filmé avant. C'est bien dommage. Bon, allez, tu refous le bordel et. C'est une blague. J'ai passé 3 vlogs précédents de le voir. Ouais, bah ouais, mais c'était un bordel et il y avait plein de miettes et tout. Donc, j'ai tout sorti, j'ai trié parce qu'il y a des trucs qu'on se sert jamais. Et là, c'est bien rangé. Bon, j'ai bien rangé les couverts. Bon, alors, vous les voyez comme ça, là. Et dans 2 jours, c'est mort, il n'y a plus rien. C'est l'idée de Doudou. Et ouais. En fait, quand j'ai vidé le lave-vaisselle tout à l'heure, j'ai dit, tiens, je vais faire pareil, parce que c'est vrai que c'est plus joli, bien rangé. Bref, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis, j'ai trié tous les couverts, parce que Cali, actuellement, elle mange... Alors, soit elle mange avec des petits trucs en inox, comme ça, il faudrait peut-être que je retrouve un ou deux pour pouvoir tourner avec... Les trucs en plastique, c'est pas top quand même. Au bout d'un moment, vaut mieux lui donner des vrais couverts, quoi. Donc, je les ai mis de côté pour sa petite sœur, pour plus tard. Je les ai rangés dans le placard parce que ça sert à rien de les laisser dans le tiroir. Traîner, enfin. Allez, je vais préparer la pépette. Et puis, Doudou finit de déjeuner. Fais attention, il y a du chocolat. Mets pas ta chemise dessus. Attention! Ah oui, et il est 7h et je suis au taquet. Tout va bien. C'est... Monsieur... Mais bon, non mais j'ai bien dormi. Non, j'ai pas bien, non, j'ai pas bien dormi. Mais disons que comme je me suis couché plus tôt, t'as plus à plaindre, c'est bien notre fille. Ouais, bah je vais aller voir là, je vais aller la préparer. Ça se réveille. Bonjour Cali. Oh, t'as pris le doudou. Elle est belle ta veste. Ben le doudou il reste avec maman à la maison. Il fait dodo à la maison. Il fait dodo à la... Bududon. Non, non, non. Il reste à la maison, tu le poses. Il faut qu'il fasse dodo à la maison, le doudou il va pas chez nounou, hein. Allez, pose-le. Pose-le mon chat.
Tu dis papa ? Sans le doudou. Allez, pose. Et tu lui dis au revoir, tu lui dis à ce soir ? Non, mais il faut le poser, le doudou. Pose le doudou. Le doudou est resté à la maison. C'est toujours... En fait, on a un doudou vers l'entrée, là. Quand on part, on le prend dans la voiture au cas où. Et elle sait très bien où il est. Donc, à chaque fois qu'elle part chez la nounou, elle dit « Hop là, je vais le mettre dans ma bouche, on verra pas. » Et madame, je l'ai récupéré. Quel temps pourri. Franchement, il pleut, là, ça y est. Ça, il pleuvait pas jusqu'à maintenant, mais là, il pleut. Bref, c'est pas bien grave. Je me suis habillée, je me suis maquillée. Je vais partir faire mes courses puisque nous sommes lundi. Et qui dit lundi, dit course. J'ai préparé mon planning repas, mais sans trop le préparer puisque, en fait, généralement, quand je fais mes courses, et je prépare le planning en fonction des légumes que j'ai trouvés. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, comme je passe au primeur avant d'aller à Lidl, je sais quelle viande ou non je vais faire avec. Donc voilà. Niveau tenue, comme d'habitude, voilà. Hein, legging noir, t-shirt noir, un gilet qui cache mes fesses. Et c'est très bien. Parce que là, clairement, voilà. J'ai essayé. Hein, je vous jure, j'ai essayé de mettre un jean. Mais c'est pas possible, je le supporte pas. Donc autant que je sois bien dans un legging. Clairement, je ne vois plus mes pieds, je ne vois plus rien. Mais c'est pas grave, voilà, dans un mois on n'en parlera plus. Enfin voilà, bon allez, je prends le portable et c'est parti, on va faire les courses, let's go. Et en rentrant, je filme le retour de course, etc, etc. Voilà. Et puis tout à l'heure, après le repas de midi, je pense que je ferai une petite sieste. Ça va me faire du bien. C'est même sûr. Bon, je suis rentrée des courses. Je suis claquée. je suis passée à Action. Je suis passée au primeur, je suis passée à Lidl, je suis passée à Leclerc. Et j'allais dire c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, je vais sortir toutes mes courses. Je vais filmer mon retour de course. Et voilà, et j'ai trouvé plein de choses au primeur. Je suis trop contente parce que j'y suis allée un petit peu plus tôt. J'avais trop peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Et en fait, elles étaient toutes en train de mettre. Donc, nickel, quoi. J'ai plein de fruits et légumes. Je suis trop contente. Enfin, voilà. Bon, allez. Vous voyez les sacs de courses ? Rien que de les voir, en fait, ça me... Mais bon, il faut bien le faire. Allez, go. Ah, et Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai acheté un ballon, vous savez, pour faire les mouvements et tout, là, parce que pour la grossesse de Cali, ça m'avait bien aidé. Et on n'arrive pas à le retrouver avec Doudou. On n'arrive pas à le retrouver. Il a cherché partout, dans le garage, dehors, dans la cabane de jardin, partout. Et on ne trouve pas. On le trouve pas. Alors, est-ce qu'il s'est percé et qu'on l'a acheté ? On se rappelle plus. Mais on a cherché de partout, on le trouve pas. Donc, je suis passée à Action. J'étais pas sûre d'en trouver. Et en fait, si, il y en avait. Donc, nickel. Je l'ai payé 6 euros, je crois. Voilà, vous allez à Decathlon, il coûte 15 euros. Pour la même chose. Et j'ai pris un set de couteaux en céramique aussi. Parce que ceux d'Action, ils sont très très bien. Ils coûtent pas très très cher. Et voilà. Voilà, voilà. C'est déjà pas mal. Il y en a 6 dedans. Non, il y a 5 couteaux et il y a un économe. Enfin, voilà pour Action. Et puis, le retour de course, il sera sur la chaîne jeudi matin. Allez, go! Bon, retour de course terminé. Je l'ai filmé. J'ai rangé tout ce qui allait au frais. Tout ce qui est sec, j'ai rangé après parce que j'ai un petit creux, en fait. Étant donné que j'ai déjeuné à 7h, là, il est midi et quart, j'ai un petit faim. Je me suis fait à manger, je me suis fait des pâtes au saumon. J'avais acheté du saumon fumé, alors que j'ai fait cuire bien entendu. Et en fait, j'ai fait une petite sauce avec de la crème fraîche et du citron. Et c'est très très bon. Voilà, j'ai rajouté de la ciboulette. Je vais vous montrer ça. Je vais le dresser dans mon assiette parce que là, dans la poêle, dans la casserole, c'est pas très très beau. Et voilà, j'ai très très faim. En sachant que là, il y en a pas mal quand même. Donc je verrai si ça fera pas une boîte pour Doudou demain pour le boulot. Ce sera très très... Oh, le soleil il sort. Mon Dieu. Alors que c'est tout gris, tout va bien. Enfin, allez, je dresse mon assiette, je vous montre tout ça. Et après, accessoirement, je vais manger. J'ai très très faim. J'ai très faim. Ça va, Goji? Ça a l'air d'aller. Et voilà la petite assiette. Donc, les pâtes, je les avais fait cuire hier. Oula, beaucoup de mal. Hein.
J'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive le saumon fumé. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter de l'huile d'olive parce que le saumon est très gras. J'ai mis une demi-cuillère à soupe de crème fraîche. J'ai mis du jus de citron, j'ai mis un petit peu de farine pour épaissir le tout. Et au dernier moment, j'ai ajouté la ciboulette puisque la ciboulette cuite, c'est pas très très bon. Donc voilà, je l'ai vraiment ajouté au dernier moment. Là, moi, je me suis fait une assiette et il en reste pas mal. Donc voilà, Doudou, il aura sa boîte pour demain, ça sera très très bon. Je vais lui envoyer une petite photo là pour lui donner envie. Il va me dire, oh trop bon, je lui dirai, eh ben t'as une boîte pour demain. Enfin voilà, allez, et je vais manger avant que ça soit froid. Comment vous dire que ces petites pâtes au saumon étaient fort sympathiques, c'était trop trop bon, c'était vraiment trop trop bon. J'ai vérifié avant de vous parler de si j'avais pas de ciboulette dans les dents parce que généralement c'est à chaque fois pour moi ça. Je vais mettre le reste dans une boîte pour Doudou pour demain, il sera ravi de manger ça parce que franchement moi j'ai adoré. Puis de toute façon Doudou il aime tout, il mange tout, il aime tout, même quand c'est pas bon, il me dit que c'est bon. Nous sommes installés pour faire à manger avec Calinette qui boit un coup. À la tienne ma chérie. Tchin tchin. Fais tchin. À tchin. Et tchin. On va faire la salade de choux pour ce soir avec du... Bonjour monsieur Doudou. Avec du poulet rôti froid. Hello. On est au taquet. Alors que on est fatigué. Je vous ai pas filmé plus tôt parce qu'en fait je suis allée chercher Cali chez la nounou et après on s'est posé dans le lit. On n'a pas dormi mais on s'est reposé et après on a joué. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de prendre la caméra et après le repas de midi j'avais des rendez-vous, donc voilà, il fallait absolument que j'y aille. On va s'occuper du chou. Donc l'idée c'est de couper le chou rouge avec la mandoline qui est ici. Ah bah oui. Non mais monsieur Doudou il prend un Ferrero Rocher et il croit que Cali ne va pas le voir. Ils sont pourris. Comment ça ils sont pourris? Oui mais comme ça personne ne les mange. Je dis qu'ils sont pourris comme ça personne ne les mange. Non ouais mais regarde. Non. Oh là là. Bah oui. Elle est pas bête elle. Enfin bon, je vais m'occuper du chou. Calinette va m'aider. L'idée c'est de faire une salade de chou rouge avec une pomme granny qui est ici. En fait le mélange ça va super bien puisque la pomme granny est un petit peu acidulée et ça va super bien. Je vais faire une une vinaigrette avec et ça ira très très bien avec du poulet rôti froid, ça sera très très bien et pour ce soir c'est parfait. Ça te va mon amour? Okay. Salade de chou rouge, oh, bon. Granny avec du poulet rôti. Rôti. Et tu sens le Ferrero Rocher à 3 km. Et on fait à manger? Cali, tu m'aides? Tu aides maman? Oui, de l'eau. Bah, il est là ton verre d'eau, regarde. Tiens. Et voilà le petit repas de ce soir. Donc salade de chou rouge avec la pomme granny. J'ai fait une petite vinaigrette. Et j'ai découpé... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découpé le poulet rôti. Je vais sortir de la mayonnaise, de la moutarde, pardon, et de la mayonnaise accessoirement, à l'ancienne. Parce que moi, j'adore manger le poulet froid avec de la moutarde à l'ancienne. C'est très, très bon. Voilà, j'ai fait chauffer des pâtes au saumon pour Cali pour ce soir. Parce que je pense que c'est un petit peu trop dur. Et en plus, elle a mal aux dents. Donc, on va pas tenter. Voilà, vaut mieux que je lui fasse chauffer des pâtes. J'ai enfin mon fauteuil. Bon, Calinette dort. Ça a été compliqué encore ce soir. J'ai dû la bercer et elle s'est endormie dans mes bras en fait. Et j'ai pu la remettre dans son lit. En fait, il y a les... Je sais pas, c'est les molaires. Hein. Ouais, c'est les molaires. Non, il n'y a pas de prémolaires, je crois. Faut que je regarde. Non, c'est pas les incisives. Les incisives, c'est les pointues. C'est encore derrière, juste derrière. C'est derrière. Elles sont sorties. Et en fait, tout à l'heure, ça saignait encore. Donc, je pense que c'est juste en train... Et elle galère. Franchement, elle galère. Elle galère. Courageuse. Hein ? Elle est courageuse. Ouais. Le petit pansement, là, c'est parce que je me suis coupée avec les nouveaux couteaux que j'ai achetés à Action ce matin. Ils coupent très bien. Doudou, il rentre.
Je lui dis, ah, j'ai acheté des couteaux à Action. Et quand je lui ai dit ça, je me suis coupé le doigt. Et je dis, il coupe super bien. Va me chercher un pansement, s'il te plaît. Il me dit, bah pourquoi? Je dis, bah parce que je me suis coupé. On prépare le chou. Bon, bref, sinon j'ai. Donc, ouais, Cali est couchée. Là, elle tousse un petit peu. Demain, on a rendez-vous à la PMI pour les 18 mois. Donc, j'ai demandé au médecin, en fait, de regarder s'il n'y a pas autre chose. Mais je pense que c'est les dents, en fait. Vous savez, les dents, c'est tout relié. Le nez qui coule, tout. Mais là, le nez qui coule, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas, quoi. Vivement cet été. Hein. Je sais pas chez vous, mais alors, nous, Cali, en ce moment, là, c'est dur, dur. Hein. Dis donc. Je m'en rends qui fait du bruit. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Malheureusement, on le dit pas assez et on le voit pas assez, en fait, parce que quand tu... C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Des fois... C'est chaud bouillant. Et encore en journée, ouais, elle râle, mais... Non, le pire, c'est le soir. Là, on a bien vu. On l'a couchée dans le lit. Elle a jeté tous ses doudous. Par terre, la sucette avec. Tous les doudous par terre et la sucette avec. Genre, non, j'en veux pas, je veux pas me coucher, quoi. Donc, même pas, à mon avis, c'est, j'ai mal, je rejette tout. Tu sais, ça m'a dit. Bah, je moi, sais. T'as senti ça comme ça? Je ouais. Sais pas, moi, je sais pas j'en trop. J'en ai marre, je veux ouais. Extérioriser et j'en veux toucher, quoi. Tu vois. Je veux que ça sorte. Ouais, je sais pas trop. Enfin, voilà. Donc je là, j'espère sais. Qu'elle va passer une bonne nuit. Sinon, bah, ça sera la même nuit qu'hier. Et puis c'est pas grave. De toute façon, les dents, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Les dents... Bah, surtout celle-là. Ouais. Bah, les grosses molaires. Ah ouais, non, celle-là. Et puis la nounou, elle m'a dit... ça a été, mais elle râlait, elle bavait beaucoup. Elle avait tout le temps les doigts à la bouche. Ouais, ça a été... voilà. Mais après, la nounou, c'est ce qu'elle me dit. Étant donné qu'il y a d'autres enfants, elle s'occupe, en fait. Donc elle y pense un petit peu moins. Dès qu'on est à la maison et qu'on s'occupe pas, eh ben c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que à chaque fois j'essaie de l'occuper. Là tout à l'heure on a joué pas mal en haut. Après on est allé lire des livres et tout et elle m'a aidé à faire à manger. Mais dès qu'on s'occupe plus d'elle, bah elle y pense quoi. Ce qui est normal, hein. Nous c'est pareil. Enfin voilà. Donc là l'idée c'est que je vais aller prendre ma douche moi. Je vais me mettre en pige. Et il faut que je finisse l'article de la recette des poulets marinés. Parce qu'en fait, le vlog est demain. Il sort demain. Il faut que la recette soit en ligne. Voilà. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Et puis après, je vais me coucher. Parce que malgré tout, eh ben, je suis bien fatiguée. Je pense que là, ça... Je sens la fin, là. Il me dit arrête de faire ta chuchote. De faire style. Puis enlève tes coussins de ton bide là. N'importe quoi. Enlève les coussins de ton bide, il m'a dit. N'importe quoi. Non, j'ai fait les courses et tout. J'ai pas arrêté aujourd'hui. Ouais, je sais. C'est pas pour me plaindre, hein. Je dis pas ça pour me plaindre. N'importe quoi. Non, mais franchement, de toute façon, le lundi, je sais très bien. Hein. Là, aujourd'hui, c'était la course entre les courses, mes rendez-vous et tout. Voilà. Demain, c'est un petit peu plus calme. Parce que j'ai rien à faire. Et on a juste rendez-vous à la PMI à 1h30 avec Cali. Et puis je pense qu'après... alors ça dépend comment elle est. Mais je pense qu'on ira au relais d'assistante maternelle. J'ai Pauline qui m'a envoyé un petit message. Donc voilà, on ira. Puis ça lui fera du bien. Elle pensera à autre chose. Elle verra d'autres enfants. Et puis voilà. Ça occupe quand même. Malgré tout, ça occupe. Enfin voilà. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et à très très vite. À demain, pas très très vite, à demain. Bisous. On adore le pansement. Nyeh.